Names Reborn. Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Names Reborn. Cette vidéo sera traitée en deux parties. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 2. Dans cette vidéo, cette première partie, je vais tenter de vous expliquer comment les gens invoquent les démons sans le savoir. Comment les gens invoquent les mauvais esprits sans s'en rendre compte. En général, nous savons qu'il y a des évocateurs des esprits. Et les évocateurs des esprits, on les retrouve à la personne des ritualistes, des satanistes, si vous voulez, les féticheurs, les marabouts. Et ces gens nous disent qu'ils communiquent avec les génies. La réalité, nous savons tous que ce sont des démons. Et eux, ils ont leur manière de faire la chose. Mais aujourd'hui, les choses ont été simplifiées. C'est devenu facile. La manière dont les gens invoquent les démons aujourd'hui, c'est tellement simple que vous ne pouvez pas le croire. Faites vraiment très très attention à ce que nous allons vous dire maintenant. Voici comment les gens arrivent au niveau où ils sont possédés sans même le savoir. Déjà, vous devez savoir un truc. Tout processus de péché est sponsorisé par un ou plusieurs démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne se lève et qu'elle va pécher, ce qu'elle va faire est accompagné par un ou plusieurs esprits. Est-ce que vous comprenez? Et en ce moment-là, que quand vous pouvez vous préparer à aller jusqu'à pécher, là on va dire que vous êtes accompagné par les démons. Là, qu'est-ce qui se passe? Tout part de l'intention. Tout part d'abord d'un besoin. Vous voyez, c'est comme les marketeurs, ceux qui font le marketing. Des gens qui doivent identifier un besoin et satisfaire ce besoin. Après avoir satisfait ce besoin, ils vont maintenant faire le service après-vente. Tout ce qui se passe après, ça veut dire que c'est un processus. C'est une chose accompagnée et bien organisée. Et je vous dis en même temps que les démons sont très très bien organisés. Ils savent ce qu'ils font. Ils existaient depuis très longtemps, même avant même que votre grand-père soit né. Donc le diable connaît très bien l'homme. Du coup, vous comprenez que maintenant, le péché est sponsorisé par le diable et soutenu par ces démons qui sont maintenant prêts. Excusez-moi. C'est en ce moment-là que, quand une personne va se lever et avoir un sentiment, genre le sentiment de la chair, un désir de la chair, c'est en ce moment-là que le diable et ses démons vont lancer le processus de sponsorisation du péché. Là, on va dire quoi? On va dire que la personne a eu juste un besoin. Et ce besoin-là a appelé en même temps beaucoup d'esprits qui étaient là avant, qui suivaient cette personne-là depuis et ils ont juste profité de l'occasion. Parce que le diable, c'est une personne qui aime profiter de chaque occasion pour pouvoir faire le mal, chaque opportunité qui se présente à lui pour pouvoir faire du sale. Vous devez savoir ça. Vous devez le savoir. C'est pourquoi j'ai envie de vous en parler un peu. Parce que beaucoup de personnes sont endormies. C'est à ce moment-là que vous allez faire vraiment très, très attention
Et vous allez vraiment vous méfier du péché. À partir d'aujourd'hui, si tu sais que derrière un péché se trouve un démon, là, tu vas comprendre ce qui suit. Nous allons prendre un exemple simple. Une personne qui veut, par exemple, se masturber. Ça, c'est l'exemple le plus facile à comprendre. Une personne qui veut, par exemple, se masturber. Avant que cette personne arrive au niveau où elle veut se masturber, il faut qu'il y ait un stimulant, quelque chose qui a suscité ce désir-là. C'est sa chair. Mais comment ça s'est passé? C'est passé au contact peut-être de quelque chose que cette personne a vu. C'est ce qu'on appelle le contact visuel. Tu as vu un truc, peut-être à la télévision, tu as vu par exemple. Tu as vu par exemple comment s'appelle cette artiste aux États-Unis là. Bon, aux États-Unis, vous voyez comment les stars de la musique dansent de façon très provocatrice dans les clips. Dès que toi, tu es tombé là-dessus, tu as vu. Cette occasion-là a été provoquée par un démon. Maintenant, tu as vu. Et tu vas commencer à avoir des désirs bizarres. Des sentiments bizarres, comme si quelque chose bougeait en toi, comme si quelque chose était en train de te bouger. Là, c'est toi-même maintenant qui commence à avoir des désirs bizarres. Et là, tu commences à avoir la volonté de satisfaire au désir de ton corps. Cette volonté-là même, là, en fait, la volonté en question, là, ce désir, c'est même ça qui va faire appel au démon en question. Vous voyez, non? Tu veux la volonté de vouloir pécher, de vouloir satisfaire au plaisir de la chair, au désir de la chair. Cette volonté que tu commences à avoir en ce moment-là, c'est même cette volonté-là qui va te tuer. Parce que ça va faire appel à plein d'autres esprits, plein de démons. C'est comme si les démons m'ont dit, ah, on lui a présenté le produit, il a aimé, donc faisons ce qu'il nous reste à faire. Il faut qu'il consomme le produit et qu'il soit satisfait. Qu'il soit satisfait. À ce moment-là, les démons vont avoir la légalité sur toi parce que tu les as donné l'autorisation d'entrer chez toi. Mais si dès le départ tu avais dit déjà à ta chair, non, moi, ma chair n'est pas faite pour faire des trucs inutiles. Je veux me sanctifier. Tu aurais déjà vécu les démons. Ça allait stopper le processus de vocation des esprits. Mais tu as laissé passer ça. Et voici ce qui est en train d'arriver. Là, les deux démons vont venir en masse te suggérer d'autres idées. Sur toi seul, il peut y avoir 3 000 démons. 3 000 démons sur ton affaire et ils sont en train de tout mettre en œuvre pour que tu arrives jusqu'aux conséquences de ton désir, jusqu'à la consommation de ce que tu veux. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont maintenant te suggérer des choses qui vont t'aider à satisfaire ton désir sexuel, ton appétit sexuel. Et si tu es une personne consciente, une personne qui a la crainte de Dieu, qui a tout fait pour être sur le bon chemin et qui malheureusement est tombé dans la masturbation ce jour-là. Après t'être masturbé, automatiquement, tu vas ressentir un profond regret. Et c'est là, beaucoup de personnes se disent, ah, mais pourquoi il y a ce bon, ça se passe ici? Pourquoi ça se passe ici? Alors que, avant que ça n'arrive, on avait l'impression que c'était une chose qui allait nous plaire. C'était une chose qui allait nous faire plaisir. Effectivement, tu as cru à ta chair. Tu as laissé ta chair dominer sur ton esprit. Du coup, ta chair t'a fait croire des choses. La chair, c'est le mensonge. Les plaisirs de la chair ne sont pas de bons plaisirs. Il faut faire très, très, très attention. Si tu écoutes ta chair, tu vas t'éloigner de Dieu. Mais si tu écoutes l'esprit, tu vas tuer la chair et ses désirs inutiles. Toi, ça va t'aider. Tu vois, c'est en ce moment-là que tu commences à avoir des remords parce que
L'Esprit Saint maintenant va venir te parler pour te dire, regarde, je te parlais, j'étais là, j'étais en train de te dire, ne pêche pas, ne pêche pas, mais tu as préféré écouter les démons qui te parlaient. Tu les as invoqués par ton désir, sans même t'en rendre compte. Sans même t'en rendre compte. Ce désir que tu as eu pour ce que tu voulais faire, c'est même ça qui t'a poussé de nous pécher. C'est en ce moment-là que je vais vous dire, pour ne pas invoquer leurs esprits inutilement, ou encore les démons inutilement, ce qu'il faut faire, c'est dès le départ de commencer à travailler sur soi et sur son entourage. Si tu vois que tu fréquentes des filles qui tout le temps t'amènent à avoir des rapports sexuels avec elles, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que ça, on a besoin de te le dire. Si tu veux vraiment plaire à Dieu et toi-même tu veux sauver ton âme, il va falloir que tu sors de la vie de débauche. Il va falloir que tu abandonnes et tu abandonnes et tu abandonnes et tu abandonnes beaucoup de choses. Moi, j'ai dû faire de grands sacrifices. J'avais plein de copines. Mais j'ai décidé de rompre avec toutes ces filles parce que je voulais voir Dieu. Parce que j'avais essayé tout ça et il n'y avait rien dedans. En plus, je ne voulais pas à cause de toutes ces choses. À un moment donné, je voulais avancer. J'ai dû faire un choix. Et c'est ce choix-là qui m'a conduit jusqu'à ici. N'invoquez pas les démons n'importe comment. Toutes les personnes que vous voyez dans les clips en train de danser de façon sensuelle, ce sont des gens qui sont en train de créer l'occasion qui va vous amener à avoir le désir de faire un truc qui est relié au péché, afin que ça ouvre la porte aux démons et que ça donne une égalité sur toi, sur vous. Vous voyez que c'est même facile. Ça veut dire que toutes les femmes que vous voyez dans les clips en train de danser d'une manière bizarre, surtout aux États-Unis, ce sont des mauvaises personnes. Parce qu'elles ne vous arrangent pas. Elles sont en train de pervertir la jeunesse. Faire en fait que les jeunes soient vraiment troublés dans leurs esprits. Ce sont des prophétesses. Ce sont des prophétesses. Et des prophètes aussi, hein. Parce que les hommes qui mettent tas de filles qui sont sexy dans les clips. Tout ça, c'est pour provoquer le péché. C'est pour que vous ne puissiez pas résister à la tentation. Quand le tentateur arrive, il n'arrive pas seul. Il arrive avec son bruit, avec ses gars, on dit chez nous, avec ses potes. Mais le tentateur, c'est le diable. Regardez même dans la Bible. On dit que Dieu, qu'est-ce qu'on dit dans la Bible? On dit que Dieu dit que si tu as chassé un démon de quelqu'un et que cette personne retourne dans son péché, le démon qui est parti là va revenir avec plusieurs autres démons encore pour pouvoir bien posséder la personne. Il faut vraiment faire très 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 attention. Il faut vraiment faire très très attention. Des désirs inutiles. Faites très attention. Quand une personne aussi est en colère, quand une personne est très en colère contre quelqu'un, cette personne peut aussi appeler, invoquer un démon. Surtout la nuit. Surtout la nuit. Dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu lui-même nous dit que le soleil ne se couche point sur ta colère. Que le soleil ne se couche point sur ta colère. C'est-à-dire que la nuit ne te touche pas dans cette colère-là que tu as emmagasinée dans ton cœur. Dieu t'a pas dit sinon. Dieu t'a pas dit sinon. Quelles sont les... Dieu t'a pas dit les conséquences. Dieu t'a pas dit. Si quelqu'un emmagasine une certaine colère en lui, la nuit, des mauvaises idées se multiplient dans son cœur et dans sa tête. Pourquoi ça se passe ainsi? C'est parce que c'est la nuit qu'en général, les démons dominent. Parce que la nuit est supposée appartenir au prince des ténèbres. C'est la nuit qu'il peut bien travailler et piller. C'est-à-dire, la nuit est le moment propice pour les mauvais esprits d'opérer librement. Tu vas voir qu'un démon peut sortir de sa tombe
prendre la forme de quelqu'un, d'une jolie fille, et se balader la nuit. Cette personne même peut venir même vous saluer, ou bien vous pouvez même draguer cette personne-là si vous aimez les femmes. Mais attention, c'est un mauvais esprit. Ce que vous allez ressentir, c'est que cette personne qui vient vous traverser vous a donné la chair de poule. Parce que c'est ce que vous avez remarqué. Il y a tant de choses très terribles dans ce monde, terribles, qu'il faut éviter. Éviter beaucoup le péché, éviter la colère, éviter la haine. Quand vous avez la haine pour votre prochain, à un moment donné, ça devient de la sorcellerie. Cette sorcellerie est accompagnée par des démons méchants. Des démons que vous allez invoquer par votre comportement, votre attitude. Votre attitude. C'est ça. Parce qu'en ce moment où vous êtes dans le feu de l'action, vous vous dites que vous êtes sûr. Mais non. Vous êtes sponsorisé par des démons qui vous accompagnent sur le mauvais chemin jusqu'à la conséquence terrible de votre acte. Il y a des gens dans la colère. Ils ont tué quelqu'un. Il y a des gens dans la colère qui ont commis de très grands péchés. Il y a des choses terribles. Il y a des choses terribles. Dieu dit n'est pas chez la femme de son prochain. Genre, tu vois quelqu'un, il est marié, tu vois sa femme. Elle est jolie. Comme lui n'a rien, toi tu as l'argent. Tu veux venir prendre sa femme. Ah! Ça s'est passé avec David. Hein? Quand David était en train de faire des trucs pareils, est-ce que Dieu a apprécié ça? Dieu n'a pas apprécié ça. Jean, il allait chez la femme de quelqu'un, en plus, elle est tombée enceinte. Dieu n'a pas apprécié ça. Et la conséquence était vraiment grave. Que s'est-il passé? L'enfant que la femme attendait, elle est décédée. L'enfant est décédé. C'est pas de la blague. Comme quoi, Dieu ne jouait pas avec ça. Décidément, le salaire du péché, c'est la mort. Nous devons vraiment faire très, très attention à ça. Nous tous, nous devons faire attention. Je me suis levé ce matin, je me suis dit, waouh, déjà, c'est même pas moi-même qui me suis dit, c'est Dieu lui-même qui m'a parlé. Et il m'a dit, dis aux gens comment ils invoquent les démons sans le savoir. Les gens pensent que c'est dur aujourd'hui d'invoquer un démon ou que ce sont juste les féticheurs, les satanistes qui peuvent invoquer les démons. Vous-même, vous invoquez les esprits. En fait, vous êtes sponsorisé par les esprits. Mais vous ne les voyez pas. Je vais vous donner encore un autre exemple. Je vais vous donner encore un autre exemple. Une femme, une fille, elle aime le gars d'une autre fille. Ou bien elle aime le mari d'une femme mariée. Genre, le monsieur, là, il est marié. En même temps, il vient vers elle. Maintenant, elle est dehors. Elle veut être poupée, elle veut être la titulaire, elle veut être à la maison, elle veut prendre la place de sa même femme qui est à la maison. Et pour ça, elle va aller voir quelqu'un qui va l'aider. Elle va aller prendre des pouvoirs mystiques pour pouvoir faire des choses terribles. Son désir déjà là, le fait qu'elle commence à avoir ce désir là, déjà, automatiquement ça fait appel à un démon spécifique qui est venu pour la faire. Parce que lui, il est là pour traiter ces gens de dossiers. Non, le démon est venu, non? Voilà. Elle est dans tous ses états. Elle va maintenant aller voir un maraboutiste, avoir des canaris. C'est elle qui va se balader la nuit ou bien à 3h du matin pour aller jeter des fétiches devant le magasin de la femme. Est-ce que vous n'avez jamais entendu ça? Déjà, dès que la femme elle a vu ce féticheur, automatiquement, les démons sont venus et ils ont écrit même son nom dans un livre et la date. Tout ce qu'elle était venue faire là. Vous voyez même que c'est très facile, non? C'est là que tu vas commencer à te repentir parce que tu allais voir des gens qui t'ont mis dans le problème. Mais tu ne le sais pas. C'est pourquoi on dit sans le savoir. Il y a plein de choses encore à vous dire. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous dire comment est-ce que on invoque le Saint-Esprit sans le savoir. Beaucoup de personnes ignorent ça, il faut que je vous en parle.
Comme on vous l'a dit, abonnez-vous, activez la cloche et restez connectés. Soyez juste prêts. C'est parti. Nangs Reborn.